Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Minecraft. Et donc aujourd'hui on continue notre survie, hein, voilà. Donc alors déjà on va mettre notre bouclier, sinon ça ne sert à rien. Voilà, donc maintenant je sais l'utiliser. Enfin, ah oui voilà, c'est comme ça, d'accord. Ok, donc en fait c'est avec B. Oui, parce que voilà, ok. Donc aujourd'hui, que va-t-on faire? Ah mais on peut pas les manger les baies? J'ai l'impression qu'on peut pas les manger. Bah. Bon. Peut-être que si on les met dans un four, je sais pas du tout. Hein. Je n'ai jamais utilisé les baies. Non. Ok. Bon, en tout cas, on va mettre à manger dans le four. Ok, alors on va se crafter. Alors par contre on va mettre un peu de son, mais on va crafter bah, des planches, voilà. Ok, et ben bah voilà, on a fait toutes les planches, donc on en a pas mal, hein. Ah, je voulais voir pour le bloc d'or. Il me semble que on peut en faire des lingots. Je suis pas sûr. Lingots d'or. Ça nous en donne 9. Voilà. Très bien. Voilà. Ce que je voulais savoir. Ok. Donc l'or, on n'en a pas besoin pour le moment. Je sais même pas si on va l'utiliser ou pas. Donc aujourd'hui, on va partir en expédition. Hein. Voilà, donc on va prendre de la nourriture un peu. On va enlever ce dont on n'a pas besoin. Avoir autant de planches par exemple, ça ne sert à rien. Voilà, un stack, je pense que ça suffit. Un stack de pierre aussi, ça on va le mettre dans notre main. Ça on n'en a pas besoin. Une torche ici, ça non. La hache en main. Et la pioche comme ça plutôt. Ok. Cela dit, on va davantage avoir besoin de ça. Voilà. Alors là, la laine blanche, on n'a pas besoin. Et ça, on le met dans notre main. Très bien. Ok. Donc, ça, ça a fini de cuire. Donc, on va mettre le poulet à cuire. Et ensuite, on va partir à l'aventure. Oh! Ça, je vous. Oh, ils attaquent les poulets, d'accord. Bah c'est bon à savoir. C'est intéressant. Je connais pas du tout les mécaniques du renard. Hein, c'est une des. Ah, il y a mon bâton là. Pourquoi il y a des bâtons là? Bon, bref. C'est parti. Pour faire cuire ce poulet en plus. Y a un mouton derrière, hein. Voilà, donc une fois à manger, hein, donc on va chercher à manger, hein. On partira peut-être que une fois que le jour se sera levé. En plus on a un lit maintenant, ok, qu'on en a un. Ok, alors on regarde dans les environs s'il y a des animaux qui spawnent ou je ne sais quoi, hein. Il nous faut de la nourriture toujours, hein. Voilà, ok. Bon, je pense que ça suffira. Alors par contre, on a une table de craft, ouais. On a une table de craft. On va prendre du charbon. Hein. Faut avoir du charbon sur soi. Je suis contre le fait qu'on en prenne notre diamant, par contre. Le diamant, on s'en servira plus tard. Hein. Rien ne presse. Voilà, donc ça en prend. Ça en prend. Et on pose ça et ça. Ok, donc ça on peut l'enlever. Et c'est bon, bah on va partir maintenant. Il est où le soleil? Ah, il va pas tarder à se coucher. Bon. C'est pas grave, on va commencer à partir. On aurait peut-être dû prendre la laine au cas où on est trop fatigué et qu'on a trouvé un lit. Et bah que c'est la nuit en fait juste. Et qu'on voit rien et que c'est dangereux et qu'on a trouvé un peu de laine en plus. Oui, on a. Ah, là, il y a un. Ah non, c'est pas un mouton, pas du tout.
N'importe quoi, ce n'est que le ciel. Ce n'est que le ciel. Ok, donc là on a pas mal de buissons. Voilà, donc je sais pas du tout à quoi ça sert en fait alors les baies. Mais bon, on les prend. Très bien. Ouais, ça y est, c'est la nuit, hein, donc bon. On fait demi-tour hein, finalement. On part dès le lever du jour. Autrement dit, dès qu'on le décide. Parce que forcément, on a passé. Oh, un bébé renard! C'est un bébé renard, regardez. Oh, il est trop mignon. Ok, donc notre maison est là. Ah, là, il y a un adulte renard à côté de notre maison. Il y a le bébé là-bas, viens vite. Où est le renard? Il est là-bas. Attends, je veux voir s'il prend, si je lui donne de la nourriture. Non, il s'en va. Ok, bon, bah, c'est pas grave, c'est notre nourriture de toute façon. Et donc, on va dormir. On peut ouvrir le chat? Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hey. Très bien. On a tué un zombie. Pourquoi il nous tapait à notre porte? On dormait. Ok, donc. La laine, elle est où? Elle est là. On la prend au cas où, on sait jamais. Faut être en sécurité la nuit. Ok, donc, notre carte, que nous dit-elle? On va partir voir là-bas. C'est une bonne idée. Ouais, donc là, je crois que j'ai vu un mouton. Je suis pas sûr que c'en était un. Ah, là, il y a un creeper aussi. Ouais, c'était bien un mouton. Ok, c'est un mouton. Donc voilà. Donc on fait ça. Et on prend la laine. Voilà, donc on pourra se crafter un lit. Si besoin. Oh, et un noyer. C'est profond l'eau ici. Et le noyer vient par là. Faut pas oublier qu'ils peuvent nous donner des tridents hein, potentiellement. Oh, de l'or? Je savais pas qu'il pouvait. Oh, là-bas il y a un village. Oh, là il y a un poulpe. Ah, une vache. Oui, bon, on va la laisser en vie, hein, cette vache. Ok, donc on va prendre la canne à sucre là, c'est très important la canne à sucre. Il n'y a rien de plus utile. Enfin, si. Il y a beaucoup de choses plus utiles que la canne à sucre, hein, mais on en aura bien besoin pour faire des livres ou je ne sais quoi. Donc là, on a le village, hein, très bien. On va faire croire qu'on est un grand guerrier qui arrive au village. Eh, non, mais on fait très mal croire ça. Voilà. Oui, je me fais vaincre par des plantes. Ok, donc là on a une petite maison très sympathique. Oh, il y a un alambic. Je sais pas s'il nous faut une pioche spéciale ou pas. Mince. Non, reviens. Je veux l'alambic. Très bien, on a un alambic. Voilà. Vous attendiez pas à ce qu'on ait l'alambic aussitôt, hein. À vrai dire, je ne sais même pas me servir d'un alambic, hein, alors bon. On apprendra. Ça doit pas être si difficile. Si, peut-être. Ok, bon. Alors, là, on a du charbon, mais bon. On n'est pas venu là pour prendre du charbon. C'est des très belles maisons, hein, les nouvelles maisons. Ok, donc. Oh, un coffre. Oh, oh là là! Des plastrons, de l'obsidienne, une selle. Oh, des jambières. Oh, on a énormément de. Oh là 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 là! C'est trop bien ça. Oh, j'adore les coffres des villages. Ok, c'est en partie pour les coffres hein, que je suis venu ici. Hein.
Regardez tout ce qu'on a d'obsidienne. On a 6 blocs d'obsidienne. Je ne sais pas à quoi servent les meubles non plus. Ah bah on va le prendre. Très bien, on prend une, non, ça suffit. Oui, ça suffit. Il y a une maison là quand même là-dessus. Ah, là il y a encore un mouton. Il revient. Oh, il nous a donné beaucoup de viande. Il n'y a pas de porte? Il n'y a pas de maison. D'accord, c'est pas une maison. Là-bas par contre, il y a plein. Oh, le feu de camp. Oh là là, il y a plein de choses. Oh, une cloche, j'ai envie de sonner. Oh, il y a un loup. On n'a pas de voix. Non, on n'a pas d'os. Là, il y a des betteraves et tout. On va tout prendre, hein, vous inquiétez pas. On finira bien par tout prendre. Mais bon. Là, on visite le village, hein, on prend le contenu des coffres, on prend ce qui nous intéresse. Et c'est tout. Oula, j'ai sauté un peu trop haut. Ok, donc là le feu de camp. Ah, c'est table de cartographie. Donc ça, c'est avec plutôt ça. Très bien. Ah, on a déjà plus de place. Oh là là. On va enlever la chair putréfiée. Et on va monter. Un autre coffre. Ok, du pain. Oui, on va prendre. À la place de quoi? À la place des pousses de sapin. C'est bon, il n'y a pas d'autre étage là. Faut pas exagérer. Ok, le reste c'était pas très intéressant, des arbustes. Ok. Oh non. J'ai pas fait exprès. Donc. Encore une maison. Une scie à pierre, donc bon. Non, un truc. Ça, c'est plus avec ça. Et là, on va enlever. Que va-t-on enlever? Je ne sais pas. Sinon, on enlève. Est-ce qu'on a faim? Non, on n'a pas faim, mince. Ben, en fait. C'est presque fini ça. Non mais non, on va pas enlever ça. On va enlever ça. Mince. Oui ça. Mince. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris là, la scie de pierre? Oui, on l'a pris. Ok, bon bah très bien. On a eu quelques outils et tout. Ah, encore une maison. J'avais pas vu. Allez, un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, encore de l'obsidienne. Et oh là là, on a des beaux outils là. On a de beaux outils. On a beaucoup de pommes aussi. C'est bien. C'est très bien tout ça. Très très bien. On va poser la hache peut-être. On va prendre la pioche et l'épée. Non, c'est bon. On s'en sert pas si souvent que ça de notre épée non plus. Et encore une maison. Et là, on a. C'est pas très intéressant. Ok. On va prendre les pommes de terre. Ah, le pain. On va pas prendre. Non, on va pas prendre les troncs. Ah, comme ça, on est bon pour la nourriture. Ouais, non. Là, si, on va enlever le poulet. Ok, donc là, quand on veut, on part dans le nether. Enfin, ce sera pas tout de suite. Hein. Mais bon. On a envie de partir dans le nether, on peut quoi. Ça c'est cool. On a un alambic. On pourrait avoir une table d'enchantement, je crois. Très bien. Un mouton. Eh, reviens mouton. Très bien. Bon bah on va passer à notre maison pour déposer tout ça. Hein. On verra après si on revient. On sait où il est en tout cas maintenant, donc bah, c'est cool. Vers le nord, c'est vers là-bas. On a traversé la rivière.
Non, on va pas tuer de poisson parce qu'on a plus de place dans notre inventaire. Et qu'on a largement assez de nourriture actuellement. Ça descend quand même très très lentement notre respiration. Donc ça, c'est vraiment bien. Je sais plus où est notre maison. Je crois que c'est par ici. Hein. Alors là-bas. C'était au bord de la rivière, il me semble. Donc on va rester au bord de la rivière. C'est pas très loin de la rivière, en tout cas. Mais on court. On a à manger, donc on peut courir. On peut se permettre. On peut se permettre. On est en pleine journée. Tout va super bien. Donc oui, on peut se permettre de courir. Ça, c'est quoi? C'est encore un mouton, mais disons qu'il y en a de plus en plus maintenant. Très bien. On va prendre un loup après, hein, plus tard, hein, vous inquiétez pas, on prendra tout. Hein. Oh! Une caverne sombre. Dont on ne voit pas le bout. Bon. Ok, donc ben on rentre chez nous. C'est pas loin normalement. Elle est là, voilà. Très bien, bon ben on va poser tout ça dans notre coffre. Et ça y est, c'est la nuit qui arrive. C'est la nuit qui va arriver là. Enfin, je le vois un peu quoi. Donc ok, donc on va poser les baies. La table de cartographie, tout ça, on va poser. Enfin, on va le poser vraiment quoi. Ok, le plastron, tout ça, on n'a pas besoin pour le moment. Le lingot. Et tout ça, là, on va l'installer. Donc, ça, on prend. Ça, on peut la poser pour le moment. De toute façon, on va pas éliminer pour le moment. Ça, non, ça on le garde. L'alambic. Et c'était tout. Donc, alors. Ici on a notre table de cartographie. Ici on a notre alambic. Ici on a notre meule. Et ici on a notre scie à pierre. Très bien. Bon bah voilà, on a tout ça. Et là on a notre lit. On va aller. Non, on va pas dormir pour le moment. On va faire. Tous nos préparatifs, on est bien fermé à la porte, oui. On va se crafter un lit par exemple, un lit à transporter. Pardon, j'ai bougé tout. On devrait peut-être faire un chaudron, non? Si. Une table de forge, je ne sais pas trop à quoi ça sert, donc non. Peinture, j'en vois pas l'intérêt. Un lit, très bien. Ça, on le gardera chez nous. Hein. Ah, il faudra qu'on fasse demain aussi nos plantations de canne à sucre. Et il faudra qu'on retourne au village pour chercher de quoi faire des plantations et tout aussi. Ok, donc là, on va poser. On a beaucoup trop de nourriture maintenant. Ça nous sert à rien d'en avoir autant. Le mouton cru, on va le faire cuire. On fait cuire ça, voilà. On va poser le pain. On garde ce dont on a le plus. Voilà. Non, le pain, j'ai dit, ah, il n'y a plus de place. Bon, bah, on va enlever le verre. Non, on va pas enlever le verre, on va enlever la terre. Le bloc d'herbe. Ça, on va le prendre, du coup, et on va aller le jeter dehors. Et on fait ça. Très bien. Attendez, on va même faire mieux, on va faire... Voilà. Il n'y a pas de monstres aux alentours? Non. Ok, bon, bah on va dormir. Ça, c'est fini. Presque. Ok, bon, on va dormir en attendant. Très bien. Bon, et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille planter un peu la canne à sucre. Etc. Enfin, juste la canne à sucre. On a...
On n'a pas besoin de plus pour le moment. Ok, ça on prend. Et donc, est-ce qu'on a notre source d'eau? Oui. Ah, il nous faut une source d'eau infinie. Voilà ce qu'il nous faut. On va faire une source d'eau infinie. Là, il y a encore un mouton. Il y en a vraiment beaucoup. Bon. Ok, donc, notre source d'eau infinie, on va la faire où? On va la faire juste à côté de notre maison, ici. Donc on fait ça, ça, et ça. Très bien. Ok, donc là on fait ça, et on va aller remplir l'eau à la rivière. Très très bien. Voilà, donc on pose de l'eau là. Et voilà, on a notre source d'eau infinie. Donc vous voyez, maintenant on peut prendre comme ça à l'infini. Très bien. Ok, donc où est-ce qu'on va faire le champ? On va le faire. Je vais vous montrer où. On va le faire au-dessus de la rivière. Voilà. Donc comment on va faire? Alors c'est simple. Donc là par exemple, vous voyez, on va prendre ici. Oula, hé, qu'est-ce qu'il y a un squelette ici à ce temps-là? Très bien, on se sert bien du bouclier là du coup. Hé, j'ai dit on se sert du bouclier, très bien. Donc on a gagné des flèches, je crois qu'on a plus d'arc. Pourquoi il y a un squelette au fond de l'eau? C'est un squelette noyé, c'est quoi? Ça n'existe pas, je sais. Oh, il nous a donné un arc. On l'a pris? On l'a pas pris. Il est où? J'ai vu l'arc s'envoler. Je le veux. C'est là? Non, c'est pas là. Il est où? Et je le veux. Mais il y avait un arc. Je l'ai vu. Ah, il est là. Tout simplement. Très bien. Il est usé à quel point? Il est beaucoup usé, mais bon. C'est pas très grave. Ok, donc. Je disais, pardon, on retourne là-bas. Donc, pour faire de la canne à sucre, il faut toujours que ça ait un contact avec l'eau. Ok, on se met comme ça. Et on fait comme ça. Il y a un zombie noyé juste sous nous, mais bon. Ok, c'est mieux que de faire des tas de sources. Très bien, au passage ça nous fait un petit pont même si. Ah, là, voilà. Très bien. Donc là le passage, on fait ici. Ok, donc ça ce sera pour passer. Ou plutôt ce sera le pont. Très bien. Pas pourquoi je m'accroupis en fait, il n'y a pas besoin du tout. Ok, donc maintenant la canne à sucre. Ici c'est pas possible, là c'est possible. Ok. Donc là tout le long on en met. Très bien, voilà. Ok, donc après on agrandira le champ et tout. Hein, mais... Ça, c'est pas le moment. Loin de là. Ok, donc on réparera pas le portail direct? Non, non, on n'aura pas besoin. On le réparera dans très longtemps. Et donc maintenant, on a quoi? On a besoin d'un coffre. On va faire un nouveau coffre. On en fait deux même. Un pour aller là et un. Non. Et un pour aller là. Ok, donc maintenant on va se faire de nouveaux outils hein, parce que
Qu'est-ce qu'il nous reste? On n'a plus de pelle, on n'a plus de hache. Donc on va faire une hache et une pelle. Très bien. Oh! Un marchand ambulant. Enfin, on pourra rien faire avec puisqu'on n'a pas d'émeraude, mais c'est quoi ça? Mais s'il pouvait rester ici, ce serait vraiment bien. On pourrait en avoir besoin peut-être un jour. Mais non, on va pas l'enterrer, non. Non, c'est pas très intéressant ce qu'il a à nous proposer. Il s'en va où? Il va s'enterrer là? Pourquoi il s'enterre? Tu veux que je t'aide? Bon, bref. Ok. Alors ce que je vous propose maintenant, donc, ah oui, nos outils. Nous étions. Alors, est-ce qu'on peut réparer donc cet arc? Et avec donc c'est ça. Attendez, mince. Comment on fait pour réparer? Je sais absolument pas en fait. Peut-être qu'on mette de ça, non? J'en sais rien du tout. Je sais vraiment pas comment on fait. On peut peut-être pas réparer. Et avec les 6 pierres. Non, ça sert pas à ça, les 6 pierres, je suis au courant, merci. Ça sert à faire ça en fait. Voilà. C'est pas ultra intéressant. Mais... Ok, donc ensuite. On a de quoi faire là, je pense. On a toujours notre casque? A-t-on toujours notre casque? Oui, on l'a toujours. Faut le réparer d'ailleurs. Donc ça, pour le coup, on peut, je pense. Donc il nous faut de l'or. Et j'ai vraiment pas envie de perdre ce casque. Non, non, c'est pas là. Dans la meule. Le casque et l'or. Non, ça marche pas. Ah non, ça c'est pour le désenchanter. Oui, non. Non, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Non, ça marche pas, ça marche pas. Non. Ça, c'est pour faire une carte, on n'en a pas besoin. Et l'alambic, on n'a même pas de verre ni rien. Alors, je vois vraiment pas ce qu'on peut en faire. Pour le moment. Alors, oh, on peut faire des pommes en or. Mais bon. J'ai entendu. Oh. On a de l'os. Non, c'est pas ça du tout que je vais faire. Ok, c'est notre seul os. Oh, raté. Ce ne sera pas notre loup. Ok, alors non, je ne. Bon, si on peut le poser de toute façon. Ok, excusez-moi, c'est pas un épisode très intéressant hein, pour toute cette partie. Hein. Mais bon. Où sont les flèches? Je les vois pas. Je ne les vois pas. Mince alors. Ah, elles sont là, ok. Ah, d'accord, j'en ai pas d'autres. Bon. Bon, et bien voilà. Donc, on va aller en mine. Ah, on n'a plus de casque. Ah, il est là. Suis-je bête? On va prendre notre pioche là. Ok, et donc, ben, on s'en va. Allez, c'est parti. Oula. Ok, donc là on a trouvé une caverne de gravier. Ok, c'est pas intéressant, mais pas du tout. On s'en fiche complètement. Donc on va faire un petit pont. Alors j'ai vraiment peur de tomber dans la lave un jour, donc je fais comme ça. Ok, donc on va mettre une petite torche ici par contre.
Ah, d'accord, c'est du gravier là. Ok, donc là on retourne sur de la pierre. Voilà. Très bien. Ah oui. Bon, et eh bien voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine. Ciao.